Bonjour tout le monde. Alors, pour cette petite vidéo, je vous propose une variation pour deux exercices, le pont des épaules et la demi-bascule, le roll-up en pilates, assorti de leurs étirements. Donc, on va alterner ces deux exercices et en mettant en place les principes du pilates toujours. On y va, on se place sur le dos. Donc, je mets mes talons bien en bordure du tapis pour que les deux talons soient alignés à la même hauteur, que les genoux ne soient pas décalés et par conséquent les hanches soient bien alignées. On va dérouler sa colonne. Donc, évidemment, vous aurez pris soin de faire un petit échauffement avant de commencer cette variation pour deux exercices. Allez, on souffle, on déroule sa colonne. On place ses fesses pas trop loin des talons. Les pieds écartés largeur d'un point, les genoux aussi. On place son bassin en position neutre, intermédiaire, poids du corps sur le sacrum. On allonge la colonne. Les épaules se désenroulent, la nuque s'allonge. On met en place le centre. On engage le périnée par un effort de continence. Je retiens les selles, les urines. Mon bas-ventre s'absorbe à l'intérieur, vers les lombaires et vers la tête. On va commencer un premier pont des épaules. J'engage périnée transverse, je souffle, je bascule mon bassin, les pieds à plat repoussent le sol. Je tire les ischions vers le plafond. Je souffle en montant. Inspire, monte les bras. Si la souplesse des épaules le permet, mes bras se déposent. Et je souffle, je tracte mon bassin, vertèbre après vertèbre. Le ventre tombe vers les lombaires. J'inspire, je ramène mes bras. On repart bien de la position neutre du bassin, réengage le centre. Bascule le bassin en rétroversion, souffle. Les pieds à plat repoussent le sol. Contraction des ischio-jambiers, des grands fessiers. Inspire. Les bras vont vers l'arrière. Se déposent au sol si la souplesse le permet. Et en soufflant, je tracte mon bassin vertèbre après vertèbre. Mon ventre verse vers la cage thoracique. J'inspire, je ramène mes bras. Allez, on réengage, périnée, transverse. Allez bien à la recherche de vos sensations. Repoussez de la même manière, avec la même force, le sol. Là où on ne cambre pas, inspire. Et vertèbre après vertèbre. Je mets de l'espace entre chaque vertèbre. Chaque vertèbre est une perle. Entre chaque vertèbre, imaginez un petit nœud qui empêche la vertèbre de glisser. Et inspire, amène les bras. Encore deux fois, je réengage le centre, je bascule le bassin, je souffle. Je serre les grands fessiers, je préserve le neutre. Inspire. Créez une opposition entre le bout des doigts tiré loin de la tête et le bassin tiré vers les talons. Inspire, ramène les bras. On fait attention de ne pas ouvrir la cage thoracique. On fait ça une dernière fois. Réengage le centre, bascule le bassin, souffle. La tête est décontractée. Inspire, monte les bras. On se prépare à créer l'opposition entre le bout des doigts et les ischions tirés vers les talons. On redescend vertèbre après vertèbre, ventre creux. Et on inspire, on ramène ses bras. Ramenez les genoux vers la poitrine, on attrape derrière deux genoux, on décolle la tête et les épaules, on bascule vers l'avant. La demi-bascule. On se place, imaginez être contre un mur.
engagez le centre, basculez le bassin pour venir sur l'arrière des ischions, soufflez. Les épaules sont relâchées, on inspire, on allonge la colonne. On réengage le centre, souffle, tirez le ventre loin vers l'arrière, loin des talons, on inspire, redresse, réengage. Ne vous tassez pas, ne vous avachissez pas. J'allonge ma colonne, je laisse glisser mes épaules loin de mes oreilles, j'inspire. Je réengage le centre. Et je me redresse. Imaginez être suspendu par un fil. Resserrez vos deux ischions. Rapprochez le coccyx du pubis pour engager le périnée. Souffle. Inspire, reste. Les épaules relâchées. Ne les tirez pas vers l'avant. Ne poussez pas le milieu du dos vers l'arrière. Creusez le bas du ventre. Commencez toujours par expirer et seulement ensuite ramenez les épaules vers les genoux. Réengage le centre, souffle, bascule. Je cherche vraiment une bonne rétroversion du bassin. J'inspire, je reste. C'est pubis qui remonte vers sternum. Inspire. La peau du ventre est tirée vers les lombaires. Et je me redresse, réengage le centre, souffle. L'expiration va vous aider à engager les abdominaux. Inspire, reste. Et souffle, remonte. On retourne pour le pont des épaules. On bascule le bassin. Le deuxième se fera cuisse, genoux et pieds serrés. Attention, pour la bascule du bassin, c'est un petit peu plus difficile. On se replace en neutre, colonne longue, cervicale décontractée. Engage le centre, bascule le bassin, souffle, on monte le bassin là où s'encombrer. Inspire, allonge une jambe, on garde bien les deux genoux bien serrés, souffle, repose. On garde le bassin haut, inspire, allonge la jambe et souffle. On va faire trois fois de chaque côté. Inspire et souffle. Inspire, j'allonge bien ma jambe et souffle. Troisième et dernière fois, inspire et souffle. Inspire. Et souffle, on inspire en déroulant sa colonne. Inspire, inspire, inspire. Passe par la position imprimée, puis retrouve le neutre. Et on repart. Serrez les cuisses, comme si vous serriez un billet de banque entre vos cuisses. Basculez le bassin, appuyez les pieds au sol. Souffle, monte. Et on allonge une jambe. Prenez appui d'un côté. Et souffle, fléchis. Garde le bassin haut. Serre tes deux genoux, inspire et souffle. Inspire, allonge. Garde vraiment les deux genoux comme s'ils étaient embrochés sur une brochette. Et le bassin qui reste haut. Et inspire et souffle. Inspire et souffle. J'inspire. Je tracte mon bassin vers mes talons, il est en rétroversion, le ventre est creux. Inspire, inspire, inspire. Et retrouve le neutre. On repart, bascule le bassin, souffle. Serre les cuisses. Prends appui d'un côté, inspire, allonge la jambe et souffle. Inspire, allonge la jambe et souffle. Inspire et souffle. On reste connecté à son centre. Inspire et souffle. Troisième et dernière fois, le bassin haut. Inspire et souffle. Je serre mes cuisses. Inspire et souffle. Inspire. Tracte le bassin. Garde les cuisses serrées. Passe par la position imprimée. Retrouve le neutre. Dernière fois. La bascule du bassin, les ischions tirés vers les talons. Ischio contracté. Inspire, allonge. Souffle, pose.
Inspire, allonge. Souffle, pose. Allez, on garde le bassin haut. Inspire, allonge. Souffle, pose. Gardez le centre engagé. Dernière fois, serrez les cuisses. Montez le bassin. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Souffle. Et inspire. Redescends. Inspire, inspire, inspire. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Décollez la tête et les épaules. Basculez. On rajoute un mouvement d'élévation des bras et la demi-bascule. Placez-vous, engagez le centre. On vient sur l'arrière des ischions, souffle. On ne se tasse pas, on ne s'avachit pas. Inspire, reste. Prenons appui sur le centre. On souffle, on monte les bras. Inspire, redescend les bras. Ramène les épaules vers les genoux, souffle. Et on se redresse. On engage le centre. La bascule du bassin. On active les muscles profonds, périnée plus transverse. Inspire. Inspiration latérale et thoracique, on ne peut pas faire autrement. Souffle. Et inspire. Essaye de tirer la peau du ventre vers les lombaires. Ramène les épaules vers les genoux. Le dos est tensé. Je le redresse. J'allonge. Je réengage. Du coccyx vers le pubis. Et la contraction poursuit dans le bas-ventre. Souffle. Inspire. Prends appui sur le centre. On engage un petit peu plus. Inspire. Et reviens. Et on se redresse. Allez, les deux dernières fois. Courage, engage le centre, allonge la colonne, bascule. Étire la courbe en C. C'est un C majuscule. Inspire. Réengage, souffle. Et souffle. Allez, une dernière fois. Réengage le centre. Souffle. On bascule. On allonge la colonne. Inspire. Les épaules sont loin des oreilles. Prends appui sur le centre. Souffle. Fixe tes épaules loin des oreilles. Inspire. Et souffle. Allez, on déroule son dos au sol. Pour un autre pont des épaules, on se replace, pieds, genoux, cuisses, largeur d'un point, et je bascule, je souffle, les pieds repoussent le sol, je souffle en montant le bassin, je trouve appui sur pied gauche, épaule droite, et je vais monter ma jambe fléchie à 90 degrés, le genou à l'aplomb de la hanche, et souffle de l'autre côté. Inspire et souffle. Je m'assure que mes talons soient en bordure de mon tapis pour être sûr qu'ils soient alignés. Inspire et souffle. On garde le bassin haut, on trouve ses appuis. Inspire et souffle. Troisième et dernière fois, décontractez la nuque. Inspire et souffle. Je trouve mes appuis. Inspire et souffle. Et on déroule sa colonne. Inspire. Passe par la position imprimée, retrouve le neutre et on repart. Engage le centre. Tire les ischions vers le plafond. Repousse le sol. Serre les grands fessiers, les ischios. Trouve appui d'un côté. On va dire pied droit, épaule gauche. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Avant de libérer le pied, je trouve appui. En chaîne croisée, pied, épaule opposée. Et inspire. Et souffle. On fait trois fois de chaque côté. Dernier côté. Inspire. Et souffle. Dernier. Inspire. Et souffle. Et j'inspire. Je redescends. Inspire, 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 inspire. Imprime tes lombaires. Retrouve le neutre. Et on repart. La bascule du bassin. Les pieds qui repoussent le sol, souffle, monte, trouve appui, pied gauche, épaule droite, on va dire, inspire,
Et souffle, le bassin reste haut. Inspire, le centre reste engagé. Et souffle, la nuque, les cervicales restent décontractées, détendues. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, encore un de chaque côté, on va dire. Inspire. Et souffle. Dernier. Inspire. Et souffle. Et on tracte le bassin. Inspire, 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 inspire. Et allez, encore une fois, la bascule du bassin, les pieds qui s'appuient dans le sol. Je trouve appui, on va dire pied droit, épaule gauche. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Essayez de bien allonger la colonne, gardez une longueur de colonne. Inspire et souffle. Une fois de chaque côté, inspire. Souffle, inspire, et souffle, et on tracte le bassin, on dépose chaque perle au sol, et retrouve le neutre, ramène les genoux, décolle la tête et les épaules, bascule vers l'avant, on va allonger nos jambes, pour la demi-bascule avec une rotation, donc, jambes allongées, des hanches jusqu'au coup de pied. On se place, aligné, le centre engagé. Hop, je vais avancer un petit peu, ça va. Ici, je bascule. Inspire, reste. Imaginez tenir un bâton entre les deux mains et j'amène ce bâton sur le côté comme s'il glissait sur une table basse. Souffle, inspire, reviens. Et de l'autre côté, souffle. On essaye vraiment de tourner la cage thoracique qui se rapproche de l'épine iliaque opposée. Inspire, la colonne est longue. Je souffle, je reviens dos en C. Mon ventre tiré vers l'arrière. Inspire, redresse. Et on repart. Cette fois-ci, on va tourner de l'autre côté. Vous allez commencer en me tournant le dos. Ici. Le bassin ne bouge pas. Les deux fesses sont bien dans le sol. Inspire, reviens. Et de l'autre côté, souffle. Le bassin ne bouge absolument pas. Inspire, reviens. Ce sont les épaules qui reviennent vers l'avant. Le ventre tiré vers l'arrière. Et allez, encore deux fois, manière complète. Soufflez. Venez bien sur l'arrière des ischions. On crée l'enroulé lombaire. Les épaules glissent des oreilles sur l'inspire. Je tiens mon bâton, je l'amène sur le côté. Souffle. Les pieds ne se décalent pas. Inspirez, revenez. De l'autre côté, souffle. Inspirez, revenez. Réengagez le centre, soufflez. Et on se redresse. Une dernière fois. Allez, les épaules, relâchez le centre, engagez. Je souffle. Toute la force est dans le ventre, c'est vraiment une centrale d'énergie. J'inspire. Je fais glisser mon bâton sur le côté. J'inspire. Faites en sorte que tout le corps travaille, les jambes restent allongées. Inspirez, revenez, soufflez, et on se redresse. Allez, on retourne au sol pour une dernière fois. La bascule du bassin. On va rajouter battement de jambes. Replacez les pieds écartés largeur d'un point, pieds, genoux, cuisses. Le neutre, poids du corps sur le sacrum. La cambrure lombaire naturel et j'engage le centre, je bascule, je tire mes ischions vers le plafond en contractant les ischios jambiers, souffle, monte, on trouve appui pied gauche, épaule droite, développe et descend pied flex, souffle, inspire, monte,
Souffle. Si tu descends plus bas, que le genou soit sûr de ne pas cambrer. Ici, on peut descendre un petit peu plus, mais vraiment en engageant le centre. Inspire. Fléchis, souffle. Et repose. Deux talons sur une même ligne. Je vais de l'autre côté. J'allonge ma jambe d'une extrémité à l'autre. Souffle. Là, je ne cambre pas. Inspire. Trois battements. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, fléchis, repose et on redescend. Passe par la position en première, retrouve le neutre et on repart. La bascule du bassin, souffle, monte. Je vais garder en appui le pied droit et l'épaule gauche, développer ma jambe. Pied flex, je descends, j'inspire, je monte, je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Troisième et dernière fois. Je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle. Et de l'autre côté, j'inspire. Souffle. Inspire. Soyez sûr de ne pas cambrer si vous descendez un petit peu plus bas que le genou. Sinon, arrêtez-vous à hauteur de genou ici. Inspire, fléchis. Et j'inspire quand je déroule mon dos. Je garde mes genoux stabilisés. Je verse le pubis vers le nombril. Et retrouve le neutre. Allez, encore deux fois. La bascule du bassin, on souffle. Allez, courage. On trouve appui, pied gauche, épaule droite, développe. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, souffle, de l'autre côté. Inspire, souffle, inspire, souffle. Allonge bien la colonne, inspire, souffle. Et on inspire en redescendant. Ok. On va s'étirer. D'abord les deux genoux à la poitrine. Puis un pied au sol, je garde genou proche de la poitrine, j'essaie de déplier ma jambe. Je reste 10 secondes, il reste une petite flexion, 1, 2, 3, 4, pied flex, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis j'allonge, même si ma cuisse s'éloigne de mon buste, et je reste de nouveau 10 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait le fessier, je pose mon talon sur mon genou, j'ouvre le genou, le pied flex. Je me replace bien, bien aligné et je ramène le genou vers la poitrine. Allongez la colonne, rapprochez un petit peu le menton de la poitrine. Cherchez l'étirement, maintenez-le 10 secondes, c'est parti. 1, 2, allez on respire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On croise ses deux cuisses au maximum, on attrape le genou du dessous, on le ramène vers la poitrine. Toujours étirement du fessier. Une fois que je le ressens, en relâchant bien la fesse, je compte 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va aller faire tout ça de l'autre côté. D'abord les deux genoux à la poitrine. Je change de jambe. Le genou tout près du buste. Je déplie. Je pousse dans le talon, le pied flex. Ma cuisse est vraiment au plus près de ma cage thoracique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je peux l'éloigner un petit peu en cherchant plus d'allongement dans ma jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Talon sur genou pour étirer le fessier. J'ouvre au niveau de ma hanche, de mon genou, de mon talon. Et ensuite, je ramène. Je cherche mon étirement dans la fesse. Je le maintiens en respirant. Allez, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On croise autant que possible. On ramène le genou du dessous vers la poitrine. On relâche la fesse que l'on étire. Et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On décroise. On pose un pied puis l'autre tout près des fesses. On va étirer ses adducteurs qui ont travaillé quand on avait les jambes très serrées. Talon tout près des fesses. Tac, tac. J'ouvre mes genoux. Je bascule mon bas du dos le plus proche possible du sol. Je cherche à ramener le pubis vers la pointe sternum. J'allonge ma colonne. Et je laisse balancer, je laisse s'ouvrir au niveau de mes hanches pour que les genoux se rapprochent du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va refermer sur le côté, se redresser. Étirement des adducteurs, jambes écart. Donc on place son bassin, on place son dos, on regarde devant. Et si c'est possible, on allonge les jambes. On décontracte. On essaye d'aligner sa nuque. On allonge la colonne. Et on reste. 1, 2, 3, 4. Imaginez que vous êtes souple. 5, 6. Respirez. Tout va bien. 7, 8, 9 et 10. Très bien. On fléchit, on resserre. On passe ses genoux derrière, position de l'enfant. Allongez bien les bras. Et on va étirer le bas du ventre. On va onduler vers l'avant, ischion plafond, menton, poitrine. Et je repousse le sol avec mes mains. J'allonge ma colonne, resserre le ventre, dégage les épaules loin des oreilles. On ressent l'étirement dans le bas du ventre, on protège ses lombaires en remontant le ventre. On peut rajouter le petit tremblement de terre. On ramène les fesses vers les talons. On passe par la position quatre pattes. On va faire un petit chien la tête en bas pour étirer toute la chaîne postérieure qui a travaillé dans le pont des épaules. Donc je recule mon bassin ischion vers le plafond. Là, vous pouvez écarter la largeur du tapis. Vous pouvez fléchir. L'objectif, c'est de redresser le dos. Je repousse le sol, je relâche ma tête, je remonte mon ventre à l'intérieur, je ne laisse pas pendre vers le sol. Si je veux étirer plus ma chaîne postérieure, j'essaye d'allonger mes jambes. Attention, si vous allongez les jambes et que vous arrondissez le dos, ça ne va pas. À ce moment-là, fléchissez les genoux pour redresser le dos. Et on reste. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène ses genoux vers le sol. On fait un dernier étirement, celui de la pince. Et on aura terminé. Allez, pieds flex. On pousse ce qui nous gêne là. On se place. On monte les bras. On s'incline. On cherche dans un premier temps le redressement et l'allongement du dos. Les bras dans le prolongement du buste.
Et puis on va relâcher les bras, on va faire l'enroulé cervical, on va venir regarder son nombril. Allez vers l'avant, comme si vous vouliez passer par-dessus vos orteils. Trouvez un point d'appui pour vous tirer vers l'avant. Cherchez l'étirement dans le bas du dos. Comme d'habitude, ne poussez pas le milieu du dos vers le plafond. Relâchez vos épaules, vos coudes de chaque côté des genoux. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et si vous voulez finir, j'avais dit que c'était le dernier, mais encore un. Là, pour relâcher le bas du dos, le coccyx vers le sol, tête relâchée. Et ben voilà, on aura terminé cette séance variation pour deux exercices. Merci de l'avoir suivi et prenez bien soin de vous. À bientôt.